Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour vos bénédictions. Bonjour Kofi. Ok, je vais vous parler des pratiques spirituelles qui vont vous permettre de vous connecter rapidement. Bonjour, bonjour. Si vous êtes nouveau sur ma page, je vous souhaite la bienvenue. Ok, c'est la reine Jocelyne. J'ai été envoyée, j'ai été appelée, j'ai été oint pour vous servir. Je ne suis pas comme quelqu'un que vous avez vu avant parce que rien n'a de sens. Donc, tout ce que je fais, ça n'a pas de sens pour certaines personnes. Je ne rentre dans aucune case. Ok? Et la Bible. Et le ndop, et le chapelet, et ça, tout, 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 tout. Bon, je vous souhaite d'abord la bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour aider les gens qui ont l'esprit faible. Avoir l'esprit faible, ça veut dire que tu commences quelque chose, tu crois que ça va donner la minute après, dès que ça marche pas, tu dis que ça, oh, ça ne marche plus. Vous voyez un peu. Je vous ai mis des vidéos avec des astuces en ligne. Le don, comment utiliser le don? Le don est important, vous savez pourquoi? Sandra Chouandi, dis-moi un peu si je dois te bloquer. Parce que je suis là, je vais donner des astuces très importantes pour tout le monde ici. Donc, je ne veux pas, je n'ai pas le temps pour les questions d'ironie. Donc, si ta question est ironique, ce n'est pas intéressant. Si tu ne sais pas quel genre de consultation c'est, tu n'as pas, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Écoute-moi juste, tu as compris. Je donne tout ici sur mes vidéos. Donc, je voudrais que quand quelqu'un m'écoute et il décide qu'il veut me parler, la consultation c'est pour ceux qui veulent me parler. Tu comprends, non? C'est pour ceux qui veulent me parler. Donc, si tu décides que tu veux me parler, il faut t'assurer que tu comprends d'abord ce qui est dit, que tu fais ce que je dis. Parce que j'ai beaucoup d'entre vous dans les consultations. Depuis que tu m'écoutes, tu n'as jamais rien fait. Je donne les astuces dans les vidéos ici tous les jours. Même une astuce, tu n'as pas fait. Clarisse, il faut aller dormir. Donc, quelques astuces spirituelles. Beaucoup d'entre vous, vous avez les business. Vous avez. Vos maris ont été pris par des femmes. Vous doutez même déjà de vous. Vous ne pensez même pas que quelque chose dans votre vie peut avancer. Une femme m'a écrit hier. Oh, mon mari.
J'ai construit la maison au pays. C'est une femme qui vient plutôt dormir dedans. Kowo, je n'ai même pas le droit de partir au pays. Mon mari, cela, il me parle tellement mal. Il prend notre argent, il envoie la femme chaque mois. J'ai compris toutes ces choses-là. J'ai dit, ok. Est-ce que tu sais que tu as perdu ton pouvoir? Or, ton pouvoir se trouve où? Dans ta bouche. Et beaucoup d'entre vous, vos langues ont été salies. Je vais parler terre à terre. Tu as embrassé tellement de gars dans ta vie. Ce n'est pas de l'ironie. Tu as embrassé beaucoup de gars dans ta vie. Tu as déjà, s'il faut peut-être faire l'amour, tu sais là où ta bouche, ce qui est entré dans ta bouche quand tu faisais l'amour. Vous comprenez un peu? Que ce soit homme, que ce soit femme, vous connaissez ce que vous avez mis dans votre bouche. Vous connaissez. Dans le monde spirituel, le physique importe. Si tu as pris quelque chose d'impur, tu as mis dans ta bouche. Ou tu as pris quelque chose d'impur, tu as mis dans ton corps. Donc c'est entré à l'intérieur. Ok? Ou bien si toi-même tu es entré à l'intérieur de quelqu'un, tu es sale. C'est pour ça qu'on vous parle des bains de purification tout le temps. Par la première porte de sortie de vos pouvoirs, on va dire comme ça. Première porte par laquelle votre propre pouvoir part. C'est pour ça que vous allez voir souvent des gens que on va dire que c'est pour ça que la Vierge Marie a dû concevoir en étant vierge. Aucun homme n'était entré. Oh, et puis on vit dans notre société. Beaucoup d'entre vous, quand vous connaissez des choses comme ça là, vous connaissez déjà. On va dire quoi? Vous connaissez l'homme. Tu m'écoutes à 45 ans. Je ne vais pas te dire que oh, tu aurais dû être vierge. Non, tu as 3 enfants, 4 enfants. Que faire maintenant? Écoutez, c'est qu'il y en a ici, vous êtes en train de blaguer. Mais je sais aussi qu'il y en a parmi vous, vous êtes bloqués dans tous les sens. Vous ne savez même pas comment faire. Il y a des écorces. Il y a des produits physiques, des écorces, des fruits d'arbres. Voilà une écorce. Quand vous mâchez, premièrement, ça va nettoyer ta langue. Ça va purifier ta bouche. Ça va restaurer ton pouvoir. Ceux qui font l'astuce d'une dent, là, j'ai reçu un monsieur ici hier, il me disait ça. Il me disait, il m'a écouté depuis, il n'avait rien, il a acheté les produits hier, il n'avait rien avant. Il a juste pris le don, il a commencé à l'utiliser le matin. Et là, il me disait, agent immobilier, il doit tellement de personnes, tellement. Finalement, il a fait une petite transaction, il appelait ça petite, mais bon. Il a fait une transaction qui lui a permis de venir, il a acheté les produits peut-être de 80 000 ici hier. Au Cameroun, n'est pas qu'on a fait le DHL. Et il me dit que tu sais quoi, j'ai fait seulement l'autre-ci. Ça m'a déjà restauré. Donc j'ai vu comment j'ai fait un truc, un jour ça a marché. Je sais qu'il y a des choses que je ne fais pas. Et vous ne comprenez pas, mais il y a des endroits où vous travaillez. Vos patrons. L'argent vient d'une grande entité. Ça vient du sommet là. Et de ce sommet là, le sommet n'est pas propre. Quelqu'un me contacte l'autre jour, il me dit qu'il travaille pour les Albanais, c'est les quoi là, ici à Douala. Et il dit que chaque fois qu'il prend le salaire, il ne fait rien avec. Rien. Il ne fait rien avec. Et qu'entre eux là-bas au travail, les Camerounais, ils sont assis, ils ont un peu réfléchi ensemble. Que toi, tu fais quelque chose de ton argent? Non. Tu fais quelque chose de ta part? Non. Tu fais quelque chose de... Non. Ils se sont rendus compte que. Et vous, il y a des endroits où vous travaillez. Le salaire qu'on te donne là, le but c'est que ça entre comme ça prend toute l'énergie dans ton compte bancaire ou dans ta poche. Apprenez à reprendre votre pouvoir. Vous me comprenez? Tu travailles. J'ai eu un autre ici là hier, oh Seigneur. Il me dit,
Donc, ma voiture est bloquée au port depuis juillet 2022, juillet. Ça fait 6 mois. J'ai eu des entrées d'argent. Hein. Je ne peux pas te dire ce qu'il fait avec l'argent. Me voilà. Il était parmi les premières personnes qui sont venues me voir en septembre. Il est parti, il a disparu 3 mois. Il me rappelle, il dit, mamie, tu sais quoi, je vais seulement venir te voir parce que le taux, le degré, c'est largement dépassé. Il y a des écorces, des astuces. Et vos ancêtres, je veux vraiment que vous puissiez engager le mystère de vos ancêtres aujourd'hui. Tu es en Europe, tu es orpheline. Depuis 20 ans. Tes frères ont mangé ton argent jusqu'à ta paix est venue. Tu es là, elle est là comme ça seule. Si vous m'avez fait quelque chose au village, personne ne va se lever pour aller faire ta part. Reprends ton pouvoir. On vient voir les choses dans ta vie parce que ton pouvoir de commandement est parti. Et je vous dis encore, quand c'est sale dans le monde spirituel, ça n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de bains que je vous donne sont les bains de purification d'abord. Bonjour, si vous venez d'arriver. Je vois que vous êtes seulement dessus. J'ai commencé à parler dans la vidéo aussi. Qui a rêvé de moi là? Le truc, c'est qu'il y en a parmi vous. Vous avez ça chez vous. Vous avez les écoles dans votre porte-monnaie. Vous n'utilisez pas. Vous vous lavez au sel depuis même 6 mois. Rien n'a changé dans votre vie. Parce que vous n'engagez pas le mystère de votre parole. Quand on part chez le marabout pour vous attaquer, on part avec la bouche. Quand on part faire quelque chose sur vous, hein, il s'assoit. Grand maître, petit maître, je veux que la femme. Et les gens, quand ils partent pour vous bloquer, ils ne blaguent pas. Hein. Ces enfants ne vont pas avancer. Bloque-moi les enfants de la fille ici. Elle est sur Facebook chaque jour. Bloque-la. Vous me comprenez? Il y a les gens qui n'ont pas honte quand ils partent faire leur demande chez le marabout. Vous concernant. Un jour, il y a un de mes frères. Il est parti chez un marabout. Et comme par hasard, c'était un marabout qui avait eu la présence de quelqu'un qui est venu parler contre lui. Le marabout lui dit que la femme là. Voilà ce qu'elle vient me demander te concernant. Que j'ai refusé de faire les parties ailleurs. Il sait qu'elle est partie ailleurs. Mais voilà ce qu'elle est venue me demander te concernant. Jean, il ne va pas aller à l'école, il ne va pas avancer. À l'école, il ne va pas avancer. Quand il va faire un truc, ça ne va pas marcher. Et effectivement, le jeune homme, quand il est là, il est élan, élan. C'est maintenant que ces choses commencent à marcher. Année après année. Adia, c'est la jalousie, le premier motif qui fait que les gens partent chez les marabouts. La jalousie. On te voit. Tu es belle. Ton mari est beau. Il te propose un gros diamant le jour de Noël devant tout le monde. Vous pensez même que vous êtes qui? Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, 27 ans. Voilà, il vient d'avoir son premier, de décrocher son boulot, il est cadre. Il touche 1,5 million le mois à MTN ou à Orange. Tu crois que c'est tout le monde qui sera content? Tu as eu ton visa. Tu es en train de partir au Canada. Ton père te paye, il va te payer l'école. Tu vas aller là-bas étudier dans une grande école. Tu vas partir à Harvard, 25 000 $ l'année. Tu penses que c'est tout le monde qui est content? Voilà mon enfant est là. Je suis sa soeur. Il doit s'occuper aussi de mes enfants, non? Hein? Il s'occupe seulement des enfants de sa première femme là-bas. Hein? Je suis sa soeur, je suis ta petite soeur. Non, marabout, fais que mon frère s'occupe de mes enfants aussi. Tu vois le gars là, il laisse ses enfants. Il dit, donc voilà Noël, il oublie ses propres enfants. Dès que la soeur appelle, il faut combien? Elle, il envoie. C'est la jalousie. Et arrêtez de croire que les gens sont gentils. Hein. Si vous savez ce que les gens partent chercher sur vous, déjà que quelqu'un a, il y a des gens parmi vous que vous les avez surpris souvent en train de mal parler de vous. Vous les avez surpris en train de mal parler de vous.
Tu peux dormir avec un homme dans le même lit. Il peut parler mal de toi à une fille qui drague dehors. Donc il a dit bébé, bébé, il te fait l'amour. Après tu vois le téléphone que là, déjà, la folle là, pardon, elle s'accroche seulement sur moi. C'est seulement à cause des enfants que je suis encore ici à la maison. Hein. Vous parlez de quoi? Bonjour. Bonjour James. Donc arrêtez de penser que c'est tout le monde qui veut votre bien. Ok, tu es parti en Europe, on va te bloquer. Tu vas faire 15 ans là-bas sans avoir les papiers. Te voilà ton front, c'est comme si ton front porte, le je sais pas comment on peut dire. Partout on te rejette. Partout on te rejette. Adia, les gens là n'ont pas peur de mourir eux-mêmes après. Je te tue, je meurs dans 2 ans, mais je t'ai tué. Arrêtez de croire que tout le monde est gentil. Oui, je mets le poison dans ton verre, tu bois, tu meurs. Mais je ne t'ai pas vu avoir ta Mercedes, oui. Je ne t'ai pas vu aller aux États-Unis. Tu entres dans l'avion, pourquoi? Tu entres dans l'avion, pourquoi? Je te tue, tu meurs, on va t'enterrer. Je te tue, tu meurs. Il y a quelqu'un qui a chanté que... Tu peux être là, quelqu'un te tue, après il vient lui au deuil. C'est pas la blague. Vous parlez de quoi? Il t'a empoisonné, on sait pas. On dit qu'il t'a empoisonné. Il vient à ton deuil. Il met les lunettes. Franchement, je les mets. Je les mets. Jocelyne, tu m'as pour me laisser à qui? Après, rentre à la maison. Tu croyais que tu partais où? Les gens sont mauvais. Parfois, c'est ta nièce. On dit que, ok, l'enfant de ma soeur, je n'ai pas construit. Ta mère n'a pas construit. Toi, tu es l'enfant, tu te lèves à 25 ans, tu veux construire. Jamais. Marabou, bloque-moi l'enfant de ma soeur là. Oui, papou. Bloque-moi papou là, oui. Bloque-le. Bloque-le. Il y en a qui viennent gâter vos mariages roha devant vous. Et donc, tu vois le vrai visage de la personne le jour de ton mariage. Que mais tonton. Bonjour la reine Oga. Tonton. Tonton. Tu viens gâter ma cérémonie de mariage, pourquoi? Ah non, ton mari c'est là, il ne va pas t'épouser. Hein? Oh, hein? Hein? Oh, oh. Tonton. Tu es le grand frère de ma mère. Tu viens gâter mon mariage. Tonton. Écoutez, hein, croyez en ce que les gens vous montrent. Croyez. Quelqu'un te montre son visage. Ne pas pas donner les excuses. Que non, c'est parce que peut-être que le jour là, il avait un peu trop bu. C'est pour ça qu'il est venu. Non. Comme il a bu là, ça fait que son cœur là est sorti. Que je suis la première femme, la première enfant de la famille. Tu es l'enfant de ma dernière petite soeur. Tu veux te marier, tu laisses mes propres enfants? Jamais. Jamais. Oui. Ton ex-belle-mère gâtait ton mariage, oui. Certains ne veulent même pas que leurs propres enfants se marient parce qu'elle sait que si l'enfant se marie, c'est maintenant à toi qui va donner les choses. Croyez aux actions des gens, pas en leurs paroles, pas en leurs intentions. Vous allez voir, vous allez compter le nombre de personnes sur qui vous pouvez compter sur le monde. Je peux compter sur qui. Je crois que j'avais mon frère, mais je l'ai envoyé l'autre jour qu'il fallait aller faire un truc pour moi au village. Il a tourné. Il a commencé à dire que les trucs de village là ne m'envoient pas dedans. Je croyais que j'avais telle personne. Il fallait faire mon salaka, elle n'est pas partie. Je croyais qu'il y avait telle personne. Voilà mes enfants au pays. Je lui ai demandé d'aller regarder là où mes enfants sont à l'internat. Elle n'est pas partie. Tu es là-bas en Europe.
Je dois envoyer l'argent à ma soeur. Je dois envoyer l'argent. Voilà, je dois envoyer. Tu envoies. Quand il faut faire ta chose, personne n'est là. A dit jamais. Voilà. Valérie Tagne. Voilà, la grâce de ta mère, c'est là. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous sentiez ça à l'intérieur de vous depuis. Ta tante là, tu ne sais pas pourquoi, mais il y avait toujours quelque chose en elle qui faisait toujours un genre. Comment qu'elle venait, elle te faisait un peu, ah, c'est comment, Jocelyne? Quand elle part comme cela. There's something about this auntie. There's just something about her. I don't know. Ta mère vient dire, non, c'est ma soeur. Non, elle ne peut pas te faire ça, non. Quand même, c'est ma soeur, non. Vois, tu vois. Tu dis aussi que, ah. Ok, maman. Tu avais senti, tu savais. Quand on t'avait envoyé en vacances chez elle une fois, elle t'avait tapé pendant les vacances là jusqu'à. Et elle t'avait dit des paroles méchantes. Tu dis, mais auntie, je t'ai fait quoi? Mais je t'ai fait quoi, tata? Elle t'a dit les mots très durs. Tu n'avais que 8 ans. Tu n'avais que 8 ans. C'est dans le cœur de la mère là jusqu'à aujourd'hui. Tu as maintenant 29 ans. 29 ans. Tu es pimpante, que pian. Les marabouts là croient que vous allez venir m'écouter. Vous allez cliquer sur le truc et partir les voir. Arrête, attendez. Allô? Allô? Bonjour. Gosso, gosso. Dans une heure, ok? Raconte tout à l'heure. Merci beaucoup, Adia. Joseph a été vendu par ses frères. Je ne veux pas savoir que vous venez que consulte-moi. Je veux que vous vous asseyez vous-même là. Vous analysez votre vie. Vous allez enlever les décepticons un à un. Un à un. Vous allez les éliminer. Je reviens sur le sujet de cette directe. Ça. Ouais, quel est Jesus. Mon direct, c'est spirituel. J'ai attiré. Mais. C'est un seul marabout qui se connecte, il change de compte, il vient, il revient encore. Il va aller chercher un de compte, partir encore sur l'autre. Ça va nettoyer votre langue. Ça va restaurer ton pouvoir. Vous me comprenez, non? Thank you, James, prends la cola. Tu envoies ton oncle au lieu sacré, il part t'attacher. Je ne sais pas pourquoi le sujet des oncles et tantes là est sucré comme ça. Là est... Hey, maman, on m'a fait ça. Certains d'entre eux, vous êtes partis chez eux en vacances. Donc, ils t'ont vu quand tu avais 7 ans. Peut-être quand tu partais en vacances, ça, ils amènent le remède, ils donnent le lécher, lécher. Alors qu'il y a ta part dedans qui est censée te bloquer. Oh. C'est pour ça que n'envoyez pas vos enfants n'importe comment en vacances chez les gens. N'envoyez pas vos enfants en vacances n'importe comment. Moi, j'ai un dicton. Hein. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas aimer mon enfant plus que moi. Parce que tu ne m'aimes pas.
et croyez les actes des gens. Achetez un jour une nouvelle voiture, vous voyez comment les gens vont réagir. T'as la nouvelle voiture? C'est bien. Hein? Qui t'a même donné ça? Tu as payé tout. Tu as même le permis de conduire. Ah, sa voiture là, c'est l'ancien modèle. Alors que tu es à pied. C'est l'ancien modèle. Elle allait prendre le crédit même à la banque pour payer ça. Faut pas voir comment elle crâne avec la voiture là comme ça. Oui, tu peux mettre les graines dans le sachet. Mais en ouvrant, tu ouvres derrière. Ouvre derrière d'abord. Tu parles. Après, tu mets dans le sachet. La tante avait demandé à ton père. Voilà. Et ce sont les gens-là qui ont venu gâter vos dots. Ils vont mettre le prix de la dot. Que non, on a oublié ça. On a oublié ça. Alors que ton père veut seulement que ça. Ton père veut seulement que sa fille se marie. Oh non, vous avez oublié ça. Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Non. Non. Et il manque encore ça. Vous savez quoi? Je dirais cela. Mais tu ne veux que tomber. Voilà, j'espère que ça va te rester maintenant. Attendez, vous parlez du soc. Sept graines, comme je dis le matin. Sept. Dans la main, sept dans la bouche. Donc, quand tu te lèves le matin, déjà avant de te coucher, si tu avais fait ton lavage le soir, tu as demandé la protection du Saint-Esprit. Souvent, la personne n'a même pas de permis. Mais c'est elle qui dit à tout le monde d'acheter. C'est trop le voiture. Donc, le soir, tu te laves. Après, tu te oins. Il y a beaucoup d'huile que j'ai fait pour vous là. Ok. Huile, soit tu mets huile, sel. Huile d'olive, sel. Tu as prié dessus, tu te oins avec. Et en te oignant, tu déclares. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez les masques. Les masques spirituels. Là, j'ai un produit pour les masques spirituels. Donc, si jamais vous commandez, je peux vous envoyer ça. Il y en a, vous avez carrément les boutons qui ne partent pas du visage. Et il y en a aussi, vous avez les voiles spirituelles. Donc ça, on dit avec. On vous a monté l'équipe là. On a là, le kit anti-démon. Kit anti-démon. Il y a aussi le kit attraction. Kit attraction. Donc il y a le kit commerce, kit attraction. Quand c'est attraction, c'est peut-être attirer l'argent, attirer le succès. Ce n'est pas seulement pour attirer l'amour. Vous avez compris, non? Oui, je mets ça là. Tous les colis que j'envoie ces derniers jours, je mets ça dedans. Voilà. Kit attraction, kit on a là pour défaire les nœuds. Kit mari aussi qui défait les nœuds. Le kit anti-démon, c'est 10 000. Tous les kits là, c'est 10 000. Ok. La nuit, tu as fait ton lavage. Tu as parlé. Tu as demandé la protection du Saint-Esprit avant de dormir. Tu as lu ton psaume 91. Tu l'as récité. Et avant de dormir, tu as l'habitude, tu prends ça. Ça. Je vais vous dire ce que c'est. Voilà, je vais me coucher comme ça, les ancêtres. Je demande que vous ouvrez mes yeux la nuit. Ma bouche. Mais sur ton cou. Ouvrez mes oreilles. Pour que j'entende ce que vous avez à dire. Ok. Ouvrez mes oreilles. Si à votre papa, grand-père, grand-mère, si vous n'avez pas de parents, c'est super. Les orphelins, vous devez être heureux. Voilà, papa, parle-moi durant cette nuit. Saint-Esprit, guide-moi.
Tu te couches, tu dors. Et en te couchant, il faut avoir à côté de toi de quoi noter. C'était parmi vous, vous allez faire les rêves où ce sera tellement lucide. Si tu te réveilles, tu ne n'enregistres pas le voice. Pour écrire même, ça va perdre le temps. Fais seulement le voice ou tu fais le voice pour envoyer à quelqu'un. Jocelyn! Pardon, viens. Gardez l'écoute, s'il vous plaît. Il va vous montrer comment venir ici. Tu prends ça. Il y a des parfums que je donne. Ceux qui achètent les produits chez moi ces derniers jours-ci, je vous donne ces parfums-ci. Quand tu montes ça, tu sens déjà l'onction sur ta main. Beaucoup de choses dans le monde spirituel, c'est bon à humer parce que ça va ouvrir. Quand on vient pour vous éblouir souvent, pour voiler votre visage. Tu restes comme ça là, tu penses, je devais faire quelque chose. Tu oublies. Dans le rêve, on te dit quelque chose. Tu oublies. Vous comprenez, non? Tu oublies. Tu te réveilles le matin à 6h, tu dis, non, je vais aller faire ça. Quelqu'un t'appelle, il te parle pendant 5 minutes. Tu raccroches, tu oublies ce que tu vas te faire. Contrôle. Écoutez, je sais que quand on parle de spiritualité, on sait vous tourner un peu toujours, vous tournez. L'oubli là, il y a des choses que vous ne devez pas oublier. Parce qu'il y a des choses qui sont cruciales pour vous. C'est-à-dire, c'est capital. Tu oublies ça, c'est fatal pour toi. Et dans le matin, quand tu te réveilles, j'ai bien précisé que le matin, sans parler à personne, dès que tu finis avant de sortir du lit, tu te réveilles, non, pap, il y a un remède là que je donne pour ceux qui ont déjà... il y a certaines personnes, je vous donne un truc là, ça lutte contre les poisons de nuit. C'est une poudre. Donc je vous demande de mettre de l'huile d'olive dessus. Donc tu te réveilles, avant de mettre tes pieds au sol, tu lèches d'abord. C'est les choses qu'on t'a donné la nuit. Maintenant, tu lèches. Et toi-même, tu parles. Tout dépôt nocturne. Quel que soit ce qu'on a mis sur moi, on est venu déposer, on a volontairement ou involontairement, c'est comment que ça sorte. Et il y a les choses qu'on a mis en vous depuis des années. Des années. Je sais pas si quelqu'un, vous savez, vous faites des, c'est comme si vous faites des batailles sur mes commentaires. Je ne force pas les gens à me suivre. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. Je donne des informations spirituelles qui vont aider les gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont, que ça vous aide. Ça vous aide vraiment. Voilà. Bonjour la reine Brigitte Tinda, je vais bien, merci. Donc, tu lèches le truc là. Mais comme... ça, ce que je vous dis, c'est la routine quotidienne. Pour lécher le remède, là, ce n'est pas tout le jour que tu vas lécher. Tu vas peut-être lécher une fois par semaine ou bien une fois par mois. Bon. C'est-à-dire, tu te lèves, tu as fait ton bain la veille, le matin, tu ouvres, tu prends. Le roi des herbes, dans, tu manges, quand tu manges la nuit, je ne comprends pas. Bon, je vais bien, Lauriane Bakam. Tu prends tes grains. Tu te lèves. Exactement, Euphrasie. Il y en a parmi vous, vous avez des choses dans votre corps depuis des années. On a mis ça depuis des années. Tu prends ça. Quand tu prends, tu manges. Quand tu manges, tu te mets là, tu fais face là où il y a le soleil qui se lève. Tu parles. Et en parlant, tu engages le mystère du soleil même. Est-ce que vous savez que quand Dieu a mis les astres là, c'était pour que vous les commandiez? Est-ce que vous savez ça? C'était parmi vous, vous n'avez jamais parlé au soleil. Vous n'avez jamais engagé le soleil pour quelque chose. Et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Tu parles, tu commandes, tu déclares ce que tu veux. Ne dis pas ce que tu ne veux pas, dis ce que tu veux. Comme tu veux, avec les dates, les montants. Date, montant. Augustin, ben toi, tu es trop loin. J'ai quelqu'un qui est parti à Bétoile, il a pris combien de, une journée et demie pour arriver là-bas. Oui, même la lune, la reine Olga, merci. Parlez-leur.
Pendant que vous dormez, il y a les gens qui font les... Soyez plus simple, simple. Oh. Donc, quand vous finissez avec ça, vous devez toujours avoir sur vous un petit parfum. Cécile Anne, ne fais plus de temps en temps. Tu dois faire constamment. Ne fais plus de temps en temps. Ceux qui ont pris les parfums attraction, là. Parfum Cécile, là. Dans la journée, tu as mis ça peut-être à 6 heures avant de sortir. Vers 12 heures. Quand les gens partent te pisser, se rafraîchir, mettre du Louis Vuitton, du Ralph Lauren, tu prends ton parfum. Tu peux décider midi. Hein. Midi sont les heures. Midi. Tu mets sur ta peau. Je déclare que je commande le reste de cette journée. Et à chaque fois que tu mets sur toi, rappelle-toi toujours, tu appelles tes ancêtres. Que tu entends ce qu'ils vont te dire, que tu vois ce qu'ils vont te montrer. Et tu mets la lucidité de ton esprit. Il y en a parmi vous en journée, ils veulent te dire peut-être que ne pars pas là-bas. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oui, l'eau de Cologne de l'Allemagne, c'est aussi bien pour le spirituel. Berthe Debali, le nom de ça. Tu peux mettre le nom là-bas. Il y a aussi, même en France, il y a des eaux de Cologne aussi. Et c'est le truc des blancs, hein. Les blancs ne sont pas fous. Vous pensez que vous connaissez le spirituel, puis que les blancs ne sont pas fous. Il y a certains produits qu'on prend l'eau de Cologne des blancs pour fabriquer avec. Produits spirituels. Parce que dans le monde spirituel, l'alcool. L'alcool a une très forte puissance. L'alcool. Et c'est vrai que ce qui est commercialisé, c'est seulement 70 degrés. Il y en a qui vont même plus loin que ça. Il y a aussi l'eau de Cologne Saint-Michel, oui. Retenez le nom là, cherchez ça. De temps en temps, vous mettez ça sur vous. Vous vous rapprochissez. Si vous avez des petits esprits qui sont accrochés sur vous, les paroles qu'on vous a dit dans la journée là, vous enlevez ça sur vous. C'est pas pour rien que le bébé. Vous remarquez quand on met le colon sur le bébé est tout frais. On a toujours envie de. Vous n'avez pas remarqué ça. Oh, il est beau le bébé. Viens, je vais te faire un bisou. Avec les grosses barbes qui piquent là. Voilà. C'est bon pour tout le monde, non? Vous faites ça. Vous appelez vos ancêtres. Ouvrez-moi la voie aujourd'hui. En Allemagne, va seulement dans les trucs, dans les supermarchés, non? Tu peux te faire ça à Carrefour. Carrefour. Vous mettez quelques coups de girofle dedans. Vous avez compris. Un représentant où? Merci Bête. Donc rafraîchissez-vous. Et en le faisant, appelez vos ancêtres. Si peut-être vous avez perdu votre grand-mère qui vous aimait trop là. Celle-ci là. Hein. Oh, était son cœur. Était le cœur de son ballot. Celle-là. Le cœur du ballon, mon frère. Jesus. Elle m'aimait beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Et sachez que quand vos ancêtres meurent, le corps physique part. L'esprit. L'esprit peut vous assister. Jésus a dit, il est plus profitable pour vous que je meure. Parce que quand je vais partir là, l'esprit là va remonter. Bonjour Lorient. Bonjour et bienvenue au nouveau. Hein. Je vous en prie. Pour Bétois, hein, si tu veux représenter les gens à Bétois, dis-moi. Parce que j'ai beaucoup de personnes à Bétois qui me regardent. C'est seulement que c'est trop long. S'il y avait l'avion qui arrivait à Bétois, il prenait. J'ai fait Douala, Yaoundé, Bafoussam, je suis revenu ici. Tchèque. J'ai dit que pardon, je suis arrivé, j'ai dit que non, je ne veux plus voyager. C'est trop. Donc, qu'est-ce que vous faire une journée pour aller à Bétois? Avec 4 heures. Je peux venir, prier bien. Je peux me lever un matin comme ça à Bétois, une fois. Donc, pour le représentant, contacte-moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'envoie les collègues à Bétois tout le temps. Il y a aussi Marois. L'extrême nord là-bas, je vous en prie.
Contactez-moi, vous me faites signe. Si vous, vous voulez représenter là-bas. Ok. Merci beaucoup. Merci la reine Olga. Parlez, appelez vos ancêtres. Demandez qu'ils vous guident dans la journée. La façon dont ils vous aimaient là, est. Quand ils meurent, ils ne deviennent pas méchants. Quand ils meurent, ils ne deviennent pas méchants. Jésus-Christ, c'est un mort qui est ressuscité, qu'on adore. Pourquoi tu crois que quand ta grand-mère va mourir, elle va devenir démon? Pourquoi? Why? 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 Pourquoi? Pendant des années, j'ai cru que ma mère... J'ai cru ça pendant des années. Si elle rêvait, je voyais ma mère. Bonjour la reine Danielle. Je suis venue à Bafoussam, Valérie Tagne. Je suis venue à Bafoussam. Je suis arrivée, j'ai fait 6 heures de temps à Bafoussam. Chap, chap. J'ai consulté. Bafoussam, vous étiez... Mouah. Les gens de Bafoussam, vous étiez super. Vous étiez super. Je suis à Douala. Franchement, Bafoussam, Yaoundé aussi. Mais il y avait les gens à Yaoundé jusqu'à. Même pour manger, j'ai seulement vous forcer pour sortir partir manger. Voilà. Il y a une représentante à Yaoundé maintenant. Donc pour acheter les produits... Je vous donne le numéro, elle vous envoie rapidement, venez chercher dans la journée. Parce que parfois quand j'envoie en général, c'était lourd. Parfois j'envoie même le numéro de Bordeaux, on ne retourne plus. Et vraiment. Appelez vos ancêtres. J'ai dit quoi? Voyez un peu comme si son dans la journée marche avec vous. Que ouais, Jocelyne, je te montre ça, tu ne vois pas pourquoi. Jocelyne, je te demande de partir là-bas, tu ne vois pas pourquoi. Va là-bas, pas là-bas. Toi, tu es là. Ouais, je vais me faire comment pour arriver là-bas. Ouais, je vais me faire comment pour arriver là-bas. Et te... Appelez vos ancêtres. Ils vont même souvent vous dire que... ils vont parler à quelqu'un qui va venir vous parler. Parce que vous leur avez tellement demandé dans le matin. En France, il y a un représentant. Jocelyn, pardon, apporte-moi le téléphone. Je vais donner les numéros des représentants. J'ai oublié de mettre dans le direct. On a un représentant à Washington maintenant. On a Washington, on a Paris, on a Bruxelles. Merci. Bon, je vous donne les numéros. Pour Washington, voici pour Washington. Plus 12 02. Est-ce que quelqu'un peut écrire tout ça là? Après il poste en commentaire, je vais seulement copier. Écrivez USC plus 12 02 98 98, encore 35 2 à la fin. Washington plus 12 02 98 98 35 2. Maintenant, prenez le numéro de Paris. Pour Paris. Plus 33 750 02 75 90. Voici pour Bruxelles. Pour Bruxelles, c'est plus 32. Je n'ai pas encore en Suisse. Si vous portez garant, vous me dites. Bruxelles, plus 32. 493. 41. 53. 71. Si vous pouviez mettre tout ça en un message, ça aurait été super. Donc, Belgique, plus 32. 493. 41. 53. 71. Pour Yaoundé maintenant. ...699... ...85... ...79... 22. Si quelqu'un a compris ce que j'ai dit et qu'il a tout posté en un message qu'il met là-dedans, vous allez voir que vous ne faites pas attention aux détails. Cameroun 699... ...85... ...79... 22.
Voilà, Chris a tout compris. Chris a bien compris. Mais il manque pour le Cameroun, Chris. Prêtez beaucoup attention aux détails. Parce que dans les instructions spirituelles que je vous donne, les détails, beaucoup d'entre vous laissez les trucs passer. Mirabel Azemo, ma chérie, tu es dans mon direct, non? Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi, non? Je te dis, je ne suis même pas en train de te dire, c'est toi qui t'es pointé ici. Donc, avec tout le respect que j'ai pour toi, la reine Azemo, ok? Je parlerai beaucoup des ancêtres et des morts ici. Donc, si c'est quelque chose qui te dérange pour l'instant, il n'y a pas de souci. Tu peux partir, tu as compris. Tu as compris, ma chérie? Ok, voilà. J'ai aussi été longtemps embrouillée par ce que je pensais. Et il y a des mauvaises interprétations qu'on vous a données. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. On vous a mal interprété certaines choses. Ok? Je prie juste que tu puisses comprendre un jour. Et si c'est moi qui suis dans l'erreur, que je comprenne aussi un jour. Ok? Merci pour ton commentaire, ma chérie. Bon. J'espère que le message est passé. Azemo, il n'y a pas que. Ok. Pourquoi est-ce que, malgré le fait que Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est fou parce que parfois les chrétiens, quelqu'un m'avait dit que tu n'as pas le droit, que ne prends pas Jésus, ne parle pas de Jésus, parce que tu parles derrière des ancêtres. Pourquoi? Tu peux pas m'interdire de parler de Jésus ou de Marie ou de Saint-Michel. Tu peux pas. Tous les saints là sont morts. Pourquoi on les appelle encore? Pourquoi? Hein? Réfléchissons, posons-nous les questions. Ok, posons-nous les questions. Jésus n'est pas vivant quelque part là-bas en Israël. Jésus est mort. Marie est morte. Vous voyez, en fait, je ne suis pas là pour m'arguer avec vous. Je ne suis pas là pour arguer. Je ne peux pas faire le débat, genre, je te dis que c'est ça. Je te dis que c'est ça. Hein? Tu es même qui? Oh, tu ne comprends pas. Non. Pendant presque 10 ans, c'est ce que j'ai cru. Mais quand je lisais la Bible, il y avait tous les points d'ombre. J'avais des points d'interrogation. Comment ça se fait que... Et voilà. Abraham dit... Isaac dit le Dieu d'Abraham. Jacob dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Allez voir dans la Bible. Ils appelaient toujours les ancêtres. Que le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Élie et Élisée. Vous comprenez? Bon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je n'avais pas trop de temps aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. J'ai fini par bloquer la dame parce que je pense qu'il faut qu'elle fasse sa page, elle parle. Peut-être que les gens qui croient que les mots n'ont rien fait parmi les femmes vont aller, ça va les aider. Mais je dis ce que je la vous dis. Bon. Et même dans le temps de Jésus, on croyait que Jésus c'était que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui ressuscitaient. Il savait. Il savait aussi qu'il y avait l'esprit de certaines personnes. Et il y avait des gens qui mouraient sur un peu, pouf, il revient à la vie. Et on savait que quand tu meurs, on peut appeler ton esprit. Quand Samuel est mort, Saül, je crois que c'est Saül, il est parti appeler son esprit. Et si, vous savez quoi? On va pas entrer dans ça aujourd'hui. J'ai parlé des ancêtres, le message est passé. Bonne journée. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, moi, il dit non. C'est vous qui avez les problèmes, est-ce que c'est moi? Bon, bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis. Je mets la paix sur votre journée. Vous portez l'ADN de vos ancêtres. Donc si vous ne les connaissez pas, appelez-les. Appelez-les.
C'est une ADN, c'est en vous. C'est en vous. Call them. Call them forth. Bless you.